Freddy Tiburce, je suis le directeur général du Centre culinaire contemporain. C'est une nouvelle structure dans le paysage rennais. Je suis plus facilement connu à travers le cercle culinaire de Rennes. Mais je vais vous parler de ce nouveau projet donc, qui est en train de prendre forme sur Rennes à talent de Champeau. C'est un projet sous la forme d'une plateforme d'innovation des acteurs de la chaîne alimentaire, avec un projet imaginé comme un living lab, une sorte de laboratoire grandeur nature dédié à l'innovation alimentaire et gastronomique. Cette structure vise plusieurs objectifs. L'anticipation, d'une part, à travers la connaissance des usages, la création, l'innovation, à travers la mise au point de nouveaux produits, mais aussi la transmission, la formation, l'information, avec aussi la volonté de pouvoir contribuer à la réputation à la fois des acteurs, des produits et du territoire. Pourquoi être partenaire de la Novosphère ? Eh bien, pour de multiples raisons, au premier rang desquelles la transversalité, le partage et ce nouveau réseau social de l'innovation permet précisément les regards croisés, le partage d'expériences entre l'ensemble des acteurs. Donc, avec les partenaires du Centre culinaire contemporain, il nous a semblé tout à fait pertinent et utile d'accompagner ce nouveau mouvement et d'en être un acteur. La Novosphère, c'est la bonne recette à partager.